Tu as le bon son. La voix de la diaspora, c'est parti. Il est là, hein. C'est là, regardez, admirez-le. Admirez-le. Lego Boy, Nigeria. Lego Boy, il est là. Si, si. C'est cool. Yes. Mais on dit de danser, non? Faut garder cette limite là, quoi. C'est cool. Ok. Yes. Laissez couler le son. Ah, numéro 7 ce son. Laissez couler le bon son. Yes. 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 Laisse couler le beat. Le bon son. Ah. C'est bon. Appétit. Bonsoir, hein. Dans ce jeu, belle entrée. Non, mais ça a misé. Non, mais ça a misé. Ah, enfin, je connais. C'est quitté. London. Yes. Écoute, écoute ta partie. Ça vient. Non. Aïe. Ah ça, Benito de l'or, Wata. L'élégance est une vertu, Wayé. Comme le disait, le BT Wayé. Attention, c'est la fin. Boum. 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 Yeah. Allez tout le monde, bravo. Merci. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bienvenue sur La Voix de la Diaspora. L'émission s'appelle T'as le bon son. T'as le bon son. Et ce soir, c'est une énergie qui nous anime, car autour de la table, n'est-ce pas Niki, on a du lourd. Déjà toi, comment tu vas déjà? Mais ça va un peu, non? Le week-end a été, tu as été... Très fructueux, Benito. C'est pas vrai. Et je tiens déjà, oui, très fructueux, mais je te dirai pas tout, parce qu'on dit pas tout. Ah ouais, c'est vrai, il faut garder un peu de secret, tout ça, c'est important. Mais je tiens déjà à dire que je félicite ton habillement, qui est toute ton élégance. Ah ben oui, parce que tu sais pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a écouté Spotlight, son de Soulby, où il rend quand même hommage à une certaine prestance, une certaine élégance. Uh-huh. Voilà, donc il a cité comme ça des noms. Et en même temps, j'ai pensé aussi pour un frère qui n'est plus Patou Manga. Ah oui, ça fait un an déjà. Vraiment, oui, père, qu'il glorifie aussi dans cette chanson. Voilà. Alors ce soir, il est là. Il est bel et bien là. Il est là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en exclusivité, je dis bien interplanétaire, Soumbil est là. Soumbil est là, merci messieurs, mesdames et messieurs. Le grandissime. Le monsieur, il est là. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. En tout cas, très 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 heureux d'être avec vous, très heureux d'être sur La Voix de la Diaspora. Mm-hmm. Et puis, vous avez le bon son, voilà, restez connectés, content d'être là en tout cas. Eh ben oui. Yes.
Soumbi, il est là ce soir parce que ce soir, enfin pardon, autant pour moi, sur cette radio, on va parler de pas mal de choses. Okay. On va parler du concert événement qui se prépare du 5 août du côté de Noisy-le-Sec. Et ainsi, surtout, de cet album. Dont l'inspiration, je ne sais pas où tu allais chercher l'inspiration. Mais il n'y a que des pépites. Hein. Franchement. Non, mais ça me fatigue. Hein. Non, mais tu es tellement inspiré que ça devient fatigant. Non, mais c'est lassant. Franchement, on ne sait même pas quelle chanson choisir. On s'est disputé. Hein. Ah ouais. Ah oui. Pour faire le conducteur. Ah, pour faire le conducteur. J'en suis très heureux. J'en suis très heureux. En tout cas. Donc tu aimes. Ouais, j'aime quand on a pas le choix en fait. Ok. Mais voilà, également sur plateau, nous avons Nego Boy from Nigeria. From Lagos. Nigeria Power. From Lagos, Mainland. From Lagos, Mainland. What's up, people? What's up, la voix de la diaspora? You speak French, yeah. Hello, bonjour tout le monde. Bonjour, on est à la voix de la diaspora. Dis je t'aime. Je suis avec Soumbi, concert bientôt le 5 août. Ah mais c'est bien, tu peux dire ça en anglais. Dis-le, fais l'annonce en anglais. Pour nos auditeurs qui sont bien sûr sur sa page. À New York, oui. À New York, à London. À Lagos, Ibadan, tout ça. What's up people, I am Lorias Nega, aka Nego Boy. We have in the building Sambil. Yeah. He's having his concert on the 5th of August, 2017, at 14 Rue de la Pointe, 93. Yeah. 93-130, Noisy-le-Sec, Era E from Gaduna. Stop at Noisy-le-Sec. C'est pas vos artistes bizarres, c'est pas tout le monde qui a ça. Ah bon, ok. Yes, Beniki, ben écoute, on va commencer sur Soumbil. Soumbil, qu'est-ce que tu veux commencer sur Soumbil, déjà, moi j'ai sélectionné un peu par rapport à son album, le titre des journaux, en fait, de la presse. Jeune Afrique Magazine qui dit éblouissant. Ouh là là. Route Magazine, vertigineux. Ouh là là. Top Visage, un bijou d'imagination. Ciel, tu es joaillier. Jeune Afrique Culture qui parle de stupéfiant comme album. Ouh là là. RFI, Couleur Tropicale de Claudie, spectaculaire, ludique et en couleur. Oh là là. Sans oublier bien sûr AbidjanShow.com qui dit carrément un émerveillement constant. Life Magazine, une incroyable expérience auditive. Écoute. J'ai pas fini. Plus. Amina Magazine qui dit captivant. Okoi Magazine qui dit époustouflant. C'est moi. Et surtout, Okoi Magazine époustouflant, l'un des albums les plus fous. Soumbil dans le building. Alors Soumbil, c'est aussi l'art, bien sûr, d'accommoder les sons de manière agréable à l'oreille. Cet album, parle-nous un peu. Yes, et bah heureux déjà pour tous ces qualificatifs. On n'a pas le choix. Voilà, après 2 ans, c'est un album qui nous a pris carrément 2 ans. D'accord. Un album qui a été enregistré en live avec les musiciens entre Abidjan et Paname. Mm-hmm. Donc voilà, on a essayé de partir un peu dans tous les sens. D'accord. C'est donc ce qui explique ce petit brin de folie artistique dans l'album. Pas rester dans les stéréotypes habituels. D'accord. On a voulu faire un zouglou plus ouvert, un zouglou qui va à la rencontre des autres styles. Mm-hmm. Un zouglou qui est dans l'air du temps en fait. Un zouglou qui quand même respecte l'essence du zouglou. Hein. Absolument, l'essence du zouglou, déjà, c'est la parole. Mm-hmm. La parole était là, et puis bon, et les percus, le rythme. Exactement. Voilà, tout part en fait d'une inspiration zougloutique pour atteindre une autre étape. D'où Zouglou Maniti, c'est une école de partage en fait. Donc le zouglou qui s'ouvre au monde. Donc c'est un album de partage. Bah, justement, en parlant de partage, Soumbil, la scène zougloutique est assez partagé actuellement entre les puristes et puis la nouvelle génération justement qui arrive sur le marché. Et tu n'es pas sans savoir qu'on a des nouveaux groupes, hein, genre Revolution, Les Leaders, etc., qui apportent un nouveau souffle, si je puis m'exprimer ainsi, au Zouglou. Quel regard tu portes sur,
sur cette nouvelle scène. Mais c'est super. On a toujours dit, le Zouglou a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel. Il y a des jeunes qui arrivent avec leur style, qui épousent aussi l'heure du temps, qui ont leur mot à dire. Mais je veux dire, le Zouglou, déjà, c'est toute une philosophie, en fait. C'est-à-dire, au-delà de la musique, c'est aussi une école, en fait. Donc, voilà, moi, je suis à chaque fois étonné par le talent qu'il y a. Quand je rencontre ces jeunes-là, il y a les révolutions, leaders, il y a pas mal de gars qui sont encore dans l'ombre. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir. Maintenant, c'est le business même du Zouglou. C'est à ça qu'il va falloir vraiment réfléchir. Comment on peut transformer toutes ces pépites-là, voilà, le structurer et transformer toutes ces pépites-là en futures stars, parce que le potentiel il est énorme. Voilà. C'est beau. Eh ben oui, mais c'est clair. Et en même temps, ce que j'apprécie particulièrement sur ton album, c'est que tu continues toujours de dénoncer. Voilà. Il y a des questions, il y a des problèmes de société, tu parles de pauvreté, tu parles de l'attitude malsaine un peu des politiciens, tout ça. Tu parles de guerre, en même temps aussi tu parles d'amour, surtout d'espoir. Et tout ça dans un album, je me demande ton inspiration, d'où sont-ils? Ouais, bon, en fait, l'inspiration, on ne peut pas vraiment l'expliquer. Hein. Mais je veux dire, c'est l'amour, l'amour des siens, l'amour des hommes, l'amour de voir les choses évoluer, l'amour d'espérer, tu vois, cette envie de donner de l'espoir et être convaincu que les choses vont finir par changer, en fait. Un peu, donc je fais tout ça par conviction, parce que c'est vrai que on vient de certains pays qui sont appelés pays du tiers monde, mais on n'est pas obligé d'avoir des cerveaux tiers, quoi, tu vois. Oh là là. Boum. Boum. Ça c'est dit. Voilà. Je pense qu'on a l'intelligence qu'il faut, on a les gens qu'il faut pour donner du bonheur à toute cette population, à toutes ces populations qui méritent mieux que ça. Je pense que l'Afrique, le futur du monde est en train de se jouer en Afrique, et on a comme l'impression que beaucoup d'Africains ne l'ont pas encore compris. Mais tu alors, es là on a ça. Été en retard hier, il ne faut pas qu'on soit en retard demain. Quoi. Bravo. Merci. Mais attends, là, maintenant, c'est pour les puristes. Tu parlais tout à l'heure de cette musique pointue, zougloutique. Voilà. Mais je reviendrai sur ce que tu viens de dire, parce que, bref, ok. Écoute ce qui arrive. C'est parti. Clignon. Yeah, c'est lourd. Hein. Non, c'est bon. C'est bon, on est lancé là. J'arrive. Non, pardon. J'arrive pas à mettre mon direct là. T'es pas connecté? Je te dis ça, arrête. Non, qu'est-ce que ça, tu me dis? Il est là. Alors, ceux qui ont des questions, surtout, n'hésitez pas. Des questions, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Dites bonjour à notre ami. Là, on est en direct, là, sur le bon son. Tu l'as dans la face ou je sais pas où, dans les oreilles, mais en tout cas, le son, il est bon. Combine. Pour le plus grand plaisir de la diaspora. Oh, Billy. Non, mais en fait, c'est pour vous dire que ce son là, c'est pour vous dire que ce son, c'est un son qui parle bien sûr de ce zouglou originel, n'est-ce pas? Originel, authentique, avec les percus et tout. Et puis j'ai essayé de faire une transition parce qu'avant il y a eu un album reggae. D'accord. Voilà, pour moi, c'est deux faces d'une même pièce. Parce que c'est le même combat idéologique, comment on va dire ça? Au niveau idéologique, c'est un peu la même sève, en fait, entre le reggae et le zouglou. Donc, ce qui explique cette transition, partir du reggae jusqu'à zouglou. Voilà. Et justement, ton dernier album, c'était un album un peu plus axé sur le reggae. L'avant-dernier. L'avant-dernier, voilà. Donc là, en fait, tu remixes un petit peu les deux styles. Les deux styles, c'est pour faire comprendre que, bon, il est facile de passer de l'un à l'autre. En fait. Voilà. Parce que tu aimes le reggae, tout simplement. Tu peux le dire. Voilà, j'aime le reggae. Voilà. Le reggae, c'est la première musique. Non, il faut qu'il assume le truc. Non. C'est la première musique que j'ai connue, en fait. Ah ouais. Et le zouglou, c'est la première musique que j'ai pratiquée. Que donc, tu as pratiquée. Je suis un peu très rasta aussi dans mon mind. Mais ça se voit avec tes cheveux, en fait. Mais justement, il est. Je suis très terre à terre. Hein, mais oui, mais c'est ça, son bill. C'est-à-dire que dans artiste, il y a art, n'est-ce pas? Et en même temps, voilà, toi, à travers, bien sûr, cette musique, tu essayes
de communiquer un peu. Absolument. Même encore une dose de ces éclignons là, même encore une dose. Mais encore, à la demande générale. Je n'ai pas bien senti. On nous demande sur le direct du Facebook. Voilà. Il faut rejouer le son. C'est parti. C'est parti, mon petit. Vraiment, mais tu es là. Et c'est trop fort. Ah bon, on connaît ça. Les fonds dansés en comme ça. Hein? Ah, tu bats ton tam-tam et puis tu danses. C'est toi seul qui tape et puis c'est toi seul qui danse. C'est toi seul qui tape et puis c'est toi seul qui danse. Oh. Oh. Zizi Crayon, on est en danse. La meilleure, il est beau. Zizi Crayon. Voilà, c'est gâté. Il s'appelle Seydou. La guerre est finie, mais là, tout le monde est gay dans ses pieds. Je lui ai dit, mon petit, mais ça va comme on va manquer. Ou bien, il m'a dit, tu le plais, je vois tes portées. Voilà, il m'en a pris une fusil, mais c'est nous, on n'a rien. On est le surveillé, pays surveillant, lui-même, il a fait. Ils sont assis au plateau, on te les prend des gros français. Il compte un château, il nous va tirer. Tout le monde attend ça, la chute. Ouais. Je sais. Ça va. Là, ils vont lever leur ouvre. Tu danses à Grody. Laquelle? Ce que tu veux, l'édito. Tu vois. Et après, on rebondit. On laisse Soumbil respirer un peu. Et on va sur Nego Boy. Bon!
Ah ouais, Zizi Clignon, c'est, je pense que c'est le premier titre de ton album qui a eu un impact tout de suite. Un succès phénoménal. C'est clair, parce que bon, par rapport au contexte, donc on a essayé de, de mettre ça en avant, chacun a été servi. Oui, mais vraiment. Bon, c'est le morceau qui, d'une manière ou d'une autre, fait comprendre à tout le monde que chacun a une part de responsabilité dans le futur de ce pays, de la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Tu sais, c'est ce que j'aime chez toi, c'est ce que j'aime chez lui. En fait. Ah ouais, tu aimes quoi? De parler. Hey, okay. Pardon, on t'écoute. Non mais tu sais, j'ai préparé un petit truc pour toi. Ah bah, d'accord. Okay. Ah mais on y va alors. Oui, on y va. Parce que tu sais sur la chronique de Nikki, Miss Nikki. Voilà, ce que j'aime chez toi, c'est ta détermination, ton engagement. Yeah. Et tu as une phrase qui m'a marquée, qui est on n'éveille pas avec une berceuse. Mm. Ah oui. On n'éveille pas avec une berceuse. Il faut des mots durs pour faire passer le message. Okay. En même temps, avec des mélodies. Mon cher Soumbi, je suis tout à fait heureuse de toi. Il y a quoi? Toi, allez, il rit. C'est l'attitude bouillante. Ça fait peur. Non, mais c'est pas une demande en mariage. Ouais. Comme toi, t'es déjà marié, tout ça. Franchement. Voilà, donc ouais. Je suis très heureuse de te recevoir, Mamadou okay. Soumaoro. Pour ceux qui ne le savent pas, Soumbil. Soumbil, ça vient de Soumaoro. Absolument. Et de Bill. Tu vas nous expliquer d'où vient Bill. C'est Bill the Kid ou quoi, je sais pas. Yeah. En tout cas, pour moi, tu représentes un pilier de la scène zouglouitique, ce genre musical qui fait la gloire de la Côte d'Ivoire, et même au-delà de ses frontières. Tu es une référence. Je le dis parce que pour moi, un artiste qui réussit à marquer son empreinte dans le temps, grâce à sa musique, est une référence. Merci. Soumbil, l'enfant terrible, comme on l'appelle, tente constamment de bouger les lignes, au risque même de mettre en péril sa carrière. Mais il en a cure. Il s'en fout. Il en a cure. On parle français ici. S'il vous plaît. Non, wow. C'est ça. Ouais, on parle français ici. Wow. Il en a cure. Voilà. Donc, il tente constamment de bouger les lignes au risque de se voir envoyé dans ses filets, tel un boxeur. Il ne lâche rien dans son engagement. Il invective l'oppresseur pour réveiller et défendre l'oppressé. Comme on a pu le voir justement sur l'affaire Théo, où tu t'es indigné justement. Ouais, il s'est indigné justement sur les réseaux sociaux parce que tu n'as pas supporté justement cette forme d'injustice. Comme on a pu le voir aussi quand tu t'es engagé justement pour la révélation de la vérité au sujet du défunt et regretté Norbert Zongo. Voilà, on pourra en parler aussi si tu le souhaites. Donc c'est quelque chose qui est quand même marquant dans ton engagement, dans ta musique et dans ta personnalité. C'est un leader, Soumbil. Tu mérites carrément de faire un Olympia, Soumbil. Hey, tu remplirais. Non, je le dis. Je le dis. Tu mériterais de faire un Olympia. Je serais la première à payer le billet, Soumbil. On apprécie Soumbil quand il lutte. On apprécie Soumbil encore quand il chante l'amour aussi bien qu'un griot chante l'histoire. Oh là là. Tranquille. J'ai fini par rougir. Tranquille, calme-toi. On le respecte quand il chante la religion. On l'adule quand il honore un pays par son humanité en nous offrant un superbe album, Zouglou Humanity. Oh. Benito, à toi le micro. Wow. C'est joli. Je reste sans ah, non, mais... C'est joli, les mots sont à leur place. Alors, ça fait plaisir, mais c'est très profond. Oh. Merci beaucoup. La chronique de Miss Nikki, yes, bien sûr. Oh là là, les mots sont... Oui, ça m'a... Il n'en a cure. Il n'en a cure. Retenez ça, s'il vous plaît. Il fallait la placer. Génial, hein. Ouais. Eh ben ouais. Voilà. Alors, dames et messieurs, là, il est avec nous. Lui, c'est Nego Boy. Nego Boy, là, nous, on part maintenant à Lagos. On part dans cette musique... Il est toujours en parlant anglais, non? On parle anglais. Speak English. Ouais. You want to speak English ou bien? Déjà, on va écouter son son. Yes. On va écouter son son. C'est parti. Ouais, et l'enfant de Lagos. Nigeria Power. Thank you.
Mali. This is a little boy from Nigeria. Nigeria Power. Nigeria Power. People, I am Nigeria is Nigeria. You can join us live, you know, on La Voix de la Diaspora. I'm here with Benito. Yeah, Mr. Carino. Mr. Yeah, Carino. Carino. Mais voilà, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Poser des questions sur le direct, bien sûr, de la radio La Voix de la Diaspora. L'émission, c'est que tu as le bon son tous les jeudis. L'enregistrement se passe comme ça. Voilà, dans la bonne humeur, freestyle. Et voilà, il est là, Sunville. Yeah. Good. Bow to. Want a moto in Belgium, want to see shopping in Paris. I can't let you go, you're beautiful. I'm so crazy about you, about you. I know you feel it too, all day we've been through. I'm so crazy about you, about you. I'm crazy about you. Oh yeah. Je vais t'envoyer le lien inbox, okay. Et tu vas Je vais rediffuser après. About you, can't let you go. You're beautiful. I'm so crazy about you. I know you're feeling too. All that we've been through. I'm so crazy about you. You're beautiful. I am beautiful. About you. Africa. Non, tu as mis le feu. Ah mais oui, mais Mr. Mega Boy. Yes, vraiment. Alors, Paris, tu connais la ville de Paris. Yes, Paris. Et puis aujourd'hui, je sais que tu es quelqu'un de très, très fier de cette musique nigériane qui fait la fierté, bien sûr, des Africains à travers le monde. Et je sais également que tu as fait la première partie de pas mal d'artistes ici. The Bracket. Wiz Boys. Ice Prince. Voilà. Oui, quand même. Voilà. Alors, parle-moi un peu de ce single. Tu parles de quoi? De mon nouveau single. Non, ça, surtout de cette chanson. C'est 2015. The Crazy About You. Yeah. Yes. Yeah, Crazy About You. C'est une chanson que j'adore vraiment. Et en fait, quand j'étais au Nigeria, j'ai pas beaucoup d'opportunités pour aller au studio pour chanter. Mais quand j'étais arrivé à Paris, et c'était facile pour moi. Et en fait, un jour, j'étais voyagé en Corse. Et il y a une dame qui m'a dit, ah bonjour, vous êtes un artiste américain? J'ai dit non, je suis un artiste africain. Comme ça, quand j'ai retourné à Paris, j'ai rentré au studio direct. J'ai dit non, la dame, elle a donné l'écran, il faut que j'ai commencé. Bon, c'est comme ça que j'ai sorti le nouvel le Crazy About You. Yes. Voilà. Tu as eu aussi pas mal de récompenses, que ce soit ici à Bruxelles et un peu partout. Quand même, tu es l'artiste nigérien le plus francophone, n'est-ce pas? Yes. Et pourquoi ce choix? Oui, parce que déjà, il y a beaucoup de Nigériens en Angleterre, il y a beaucoup de compétitions. On n'est pas là pour faire des compétitions avec les gens. Mm-hmm. Moi, je suis un artiste inspirationnel. Moi, je fais ce qui sorti dans mon cœur et tout. Et voilà, je ne vais pas faire compétition avec des gens. Et voilà quoi. Et tu mélanges justement différents types musicaux.
Tu mets un peu de hip-hop, de dance, de reggae, oui, tout ça. Oui, on mélange tout pour les gens pour comprendre. Ouais. Quoi. Je mets du yoruba, anglais, du français, on mélange tout. Différentes langues en fait, quand oui, tu chantes. En fait, oui, j'ai fait tout. Voilà, quoi. Donc on ne peut pas vraiment chanter tes chansons. Quoi. Faut être trilingue. Non, j'ai des chansons, les gens peuvent chanter quand même aussi. Ouais, non, je te taquine. Oui. Quand je dis voilà. Let the Dagrin. What? Let the Dagrin. Tu aimes bien. Let Dagrin. Dagrin, ouais. Yeah, tu aimes bien. Dagrin is the. C'est ton inspirateur. To most Nigerian artists, pour tout l'artiste ouais, Nigerian, c'est Dagrin parce que c'est lui qui a commencé le rap. Parce qu'il a dit, comment on fait le rap? Tu peux pas faire le rap plus que les Américains. C'est mieux tu fais qu'est-ce que le truc de chez toi, comme des zouglous là. Voilà, je kiffe, voilà, c'est il faut faire quelque chose d'authentique quoi. Ouais. Les Américains ils peuvent pas chanter comme moi je vais chanter et moi je peux pas chanter comme les de toute façon mon manager c'est un Américain etc. Ah! Voilà. Okay. Come on, come on. Yeah, voilà. Voilà. Hello everybody. You can look in the book Nigo Boy. You can book him at nigoboybookings@gmail.com. Much love from America. Yeah. On dirait yaourt quoi. Alors, si je dis Davido, un mot. Davido fortunate, how can I say fortunate? Il a beaucoup d'argent, il est très riche. Pas parce qu'il est riche, parce qu'il est fortuné. Quoi. Quand les gens il a de la chance. Oui, il a chance, quoi. Voilà, c'est la chance. Et quand les gens ont la chance, et si tu bien gérer ton chance, tu peux arriver jusqu'en haut. Parce qu'il a bien géré, c'est tout. Ah, mais il y a quand même le talent aussi. Oui, il y a du talent, mais il a bien géré, c'est ça qui est important. Ouais. Et toi, tu es Yoruba, en fait. Oui, tu es Yoruba comme lui. Comme Davido, je suis Yoruba, comme les autres. Moi, j'aime bien quand les Yoruba, ils font les acapella. Les petites acapella en Yoruba. Les petites acapella. Ok. Nigga boy, Lori Ice, yeah, I'm cruising in my Benzo. Where you at, my baby? See, I'm cruising in my Benzo. I want you by my side anytime I'm cruising in my Benzo. Nigga Lori Ice, balling all the time. Anything me like to go, share what okay bye. Shout out to my haters, Monotojo Meta, Lorita Meta, MJ 40 Meta, Inyela Go Meta, Monile Meta, Moto Meta, Melomogi Meta, Nino Amo, Yabi. Yoruba! Yeah. Voilà. Mais c'est ça, il est Yoruba comme Bracket également. Bracket c'est Ibo. C'est Ibo. Voilà. Comme Olamide. Olamide, d'accord. Olamide c'est le meilleur rappeur nigérian. Et quels sont tes rappeurs justement avec ces artistes-là? Vous vous côtoyez de temps en temps? Vous avez. Oui, pardon. Qu'est-ce qu'on vos rapports? Relationship. Avec des artistes nigériens. Oui, j'ai fait beaucoup de chansons avec des stars nigériens comme Orisha Femi. Comme Shino Rambo, la cousine de Davido. Ah, Shino Rambo, on a une chanson ensemble qui s'appelle Spend It. Okay. Orisha Femi, on a une chanson ensemble qui s'appelle Owoniyi. So, on connaît ça dans la soirée réalisée. J'ai un aussi avec Durella qui s'appelle Paris Lawa. Et j'ai un autre avec Ola Dibs qui s'appelle My Mercedes. Ok, donc vous collaborez souvent. Souvent, même si je n'ai pas là, on s'attrape sur Instagram. Tout le monde met un temps. Mais tu aimes bien, tu connais bien la musique ivoirienne, le zouglou, le coupé décalé. Quel est l'apport de la musique ivoirienne dans cette nouvelle philosophie nigériane? Oui, mais attends, avant que les Nigériens commençaient partout, on connaît des chanteurs ivoiriens. Je parle du rythme, tout ça. Oui, c'est bon, on danse, c'est bon, toutes les chansons. Mais on vous a inspiré quand même, c'est ça qu'on veut savoir. Oui, les chansons, les chanteurs ivoiriens, ils sont inspirés beaucoup, les artistes nigériens aussi. Ça part aujourd'hui, ça, c'est depuis longtemps. Bon à partir des, ça s'appelle quoi, là, Magic System et tout là, ils chantent bien Magic System, j'aime Magic System. Ouais. Ben écoute, en ovation s'il vous plaît. Est-ce que tu souhaites quand même savoir ce qui se passe un peu à Paris? Oui. Voilà, donc moi cette semaine j'ai été
à la découverte d'un pop-up store. D'accord. Pop-up store, c'est un magasin éphémère. Et donc là, je vous invite un petit peu à liker la page Nour Art. Donc c'est N-2-O-R. D'accord. Et plus loin, A-R-T. En fait, c'est une marque qui fait des bijoux. Bon, là, vous n'avez pas toute l'image, hein, mais des bijoux comme ça, un peu africains. D'inspiration africaine. Mm-hmm. Et ça, c'est fait directement en Afrique du Sud, hein, par des artisans, c'est fait main. Voilà, donc ils ont un pop-up store là actuellement qui court jusqu'à dimanche. D'accord. Donc je vous invite à liker leur page pour avoir toutes les informations. C'est à la rue Château d'Eau, au numéro 49, si je ne me trompe pas. En tout cas, vous avez toutes les informations sur leur page Nour Art. Donc c'est N-2-O-R-T. Nour Art, voilà. C'est un petit peu ce qui m'a plu dernièrement là dans Paris, parce qu'on a quand même des bijoux ici qui sont faits, qui sont vendus, et c'est très important. Tu aimes les bijoux justement africains, toi? Bah oui, je veux dire, toi, c'est un africain. Ah non, mais moi, j'aime pas. Hein. Non, j'aime, moi-même, j'ai des bijoux, des africains. C'est vrai, t'as quoi comme bijoux? Non, pas aujourd'hui. Ah ben non, je suis désolée, ben non, ça marche pas. Ah non. Parce que la mode, également la mode nigériane a pris aussi de l'ampleur, parce qu'on voit quand même sur la toile, tu vois, les boubous, surtout pour les mariages, tout, la mode est très... Non, on est premier en ça, là, les gens. Vous êtes premier aussi. Bah, oui, il fait bien les habits africains. Oui, ça c'est vrai. Il y a un bon culturel là-bas au Niger. Ouais. Donne le son. Non, ici, c'est ça, le bon son ici. Donc, c'est quoi le nom du monsieur, le couturier? Non, il y a beaucoup. Il n'y a pas un seul personne, il y a beaucoup. Ah, d'accord. Alors, tu as eu également un award, quelque part, dans une célèbre discothèque de la place. Oui. Je pense que c'est la discothèque mythique en 2016. En 2016, j'ai gagné un award, le meilleur artiste nigérien en France, 2016. Et 2017, un award, le artiste nigérien plus populaire en France, d'accord, Diaspora. C'est vrai, bah, bravo, oui. Attendez, ça s'applaudit quand même. Attendez. Bravo. Merci. Bon, c'est voilà. Bon, super. Super. Bah écoute, l'invité principal ce soir, c'est Soumbil. Mais peut-on parler de Soumbil sans parler, bien sûr, dis-moi, de ce son? Oh. Est-ce que tu as ce son? Oh. Est-ce que tu as cette musique? Rappelez-vous, est-ce que, je sais les pas, filles, c'est... rappelez-vous le poète c'est... de vos nuits. Le poète de vos nuits. Oui, il a fatigué les gens avec cette musique. Je... Oh là là. J'ai fatigué. J'arrive pas à me connecter là. Rappelez-vous. Tout le monde a chanté ce son là. Rappelez-vous. Il est là. Bibi. Soumbil. On va sur le concert. Ok. Un soldat fatigué, je viens d'un fontaine, d'un espoir de ma beauté. Sur mon dos, je chante pour elle. Allez. Je viens souvent en carnaval, sur ma main, en espoir d'avoir du repos. Oh, j'adore. Tu quitteras ton père et ta mère, et tu aimeras une femme. Elle est la volonté de Dieu, et moi j'ai choisi de t'aimer. Sur mon chemin, j'ai pris beaucoup de coups, et il m'a toujours fallu tout recommencer. Ce sont les coups de la vie, les larmes, mes peines. Ce sont les coups de la vie, mes pleurs, mes plaies. C'est la vie. T'as le bon son ou pas? Ah non, on en a pas. Dans ma plus grande détresse, il a fallu que je sache que ce que j'ai cherché, tout du prix était si près. La perte du grand détresse, il a fallu que je sache que ce qui ferait mon bonheur était là et m'a trouvé. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Le bon son, c'est pas la peine. Toi, l'émission, c'est le bon son. Avec Billy, Toi et moi pour la vie. Aïe, aïe, aïe.
ça. On a fait le boulot. Toi et moi, on a vie. Ah. Le boulot. Ah. Ah. Grosse ambiance. Celui qui aime vie, hein? Celui qui n'aime pas traverse la vie. Ça c'est vrai. Ah, traverse la vie. Oh. Oh. Yes. Vouloir faire résonner l'amour, c'est perdre la raison. C'est le bon son, c'est le bon son, c'est le bon son, c'est le bon son, c'est le bon son. C'est la voix de la diaspora. Est-ce que tu entends la diaspora? Ici on a le bon son. Ici c'est le bon son. Ici on a le bon son. Est-ce que tu entends la diaspora? On parle love, on parle love, on parle love à la diaspora. Ah là 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 là, quel moment, quel grand moment de radio. C'est un grand moment de radio. Vraiment, l'artiste est carrément en osmose avec l'atmosphère. Merci beaucoup. C'est moi. C'est alors moi. Billy, heureux, en tout cas, oh là là. Cette chanson, je suppose que partout où tu passes... C'est une chanson demandée. Absolument, c'est une chanson un classique. Culte qui fait partie des morceaux les plus demandés de Soumbil. Voilà, c'est une chanson qui m'a révélé un peu au monde. Mm-hmm. Bon, si bien que je suis obligé à chaque fois maintenant de parler d'amour, de faire des morceaux d'amour parce que ce morceau a été un véritable coup de maître. Voilà. Ouh là là. En fait, c'est à travers cette chanson que... Nous nous sommes rendus quand même compte que ce zougou, on peut intellectualiser le zougou. On peut l'intellectualiser et surtout on peut parler d'amour. Oui. Parce que cette chanson, elle n'était pas évidente à écrire au début. Quand mon producteur m'a dit, bon, j'ai envie que tu fasses une chanson qui parle d'amour, qui parle de love, tout ça, je lui ai dit, tu rigoles. Ouais. C'est pas nous, c'est on est dans notre zougou. Ouais, c'est une revendication. Problème, il faut y aller. Non, j'ai dit, mais je vais écrire ça comment? Il dit, non, inspire-toi, parle d'amour. Et puis on a essayé comme ça. Quand j'étais en studio, je me disais, oh là là. Bon, ok, maintenant la question c'est quelle est la femme qui t'a inspiré quand même? C'est pas venu comme ça. Oh, je veux dire. Tu dis pourquoi? Son petit sourire. Quand on dit, quand on parle d'amour, en fait, pour écrire une chanson, il y a, je veux dire, c'est toutes les femmes en général, tu vois, parce que cette chanson a été écrite depuis longtemps. Ouais. Hein, c'était pour moi une façon de rendre hommage à toutes les femmes et de dire merci à toutes les femmes qui soutiennent plus ou moins les hommes, qui partent, qui reviennent, et voilà. Mmh. Voilà. Tu es sûr de ça? En tant qu'artiste, mais bien sûr, en tant qu'artiste, on est tout le temps parti, C'est pas toujours évident. Voilà. Maintenant, j'ai mon histoire personnelle et des chansons personnelles. Ah, c'est important. C'est de ça dont on parle. Merci, Soum. Alors, Soumbil, on va parler maintenant de ce concert-événement. Le concert-événement, le 5 août. Et c'est vrai que... On y sera, non? Ah, mais bien sûr. Attends, quand même. À travers, bien sûr, la presse, déjà en Abidjan, au Palais de la Culture, c'est un grand moment. On a eu les sons, hein. Ouais, grâce à Dieu, ça a été quelque chose d'assez sérieux quand même. Ouais. Je pense qu'avec le public, je n'avais pas rencontré depuis pratiquement près de 6 ans. D'accord. Parce que j'avais pas fait de concert entre les tournées et les préparations d'albums. Donc voilà, pour moi, c'était un gros challenge de revenir au Palais de la Culture.
voilà, et donner un concert voilà, à la sortie de cet album. Grâce à Dieu, c'est quelque chose de sérieux. T'as eu le track quand tu vois les comparatifs? Bah, oui. Ah, bah, forcément. Oui. Moi, j'ai le track à chaque fois que je monte sur scène, parce que pour moi, il n'y a pas de petite scène. Ouais. Et toutes les scènes se valent. Et un artiste qui respecte son public doit forcément avoir un peu de track. Et la dernière fois, ça m'a fait plaisir quand j'ai entendu un grand rappeur comme, comment il s'appelle, qui a fait un truc sur les Noirs et tout, un grand rappeur français. Booba? Non, pas Booba. Kerry James. Ah, oui. A le track avant de monter sur scène. Je me dis, bon, je suis sur la bonne voie. Il n'y a pas d'acquis, rien n'est acquis au préalable. Donc il faut convaincre toujours à chaque fois ce public. On te sait également perfectionniste. J'ai quand même des souvenirs de concerts où. C'est quand tu joues avec ton orchestre, quand c'est pas comme tu veux, hein, on reprend et devant le public. Et ça, quelle exigence! Ouais, bah, peut-être que c'est un peu un défaut, mais je me dis que quand le public est là, il faut lui donner le max. Vous voyez, déjà, on prend le temps de travailler en studio. Voilà, donc quand le public est là. Et quand il y a quelque chose qui ne semble pas bien, bon, il y a des petits stratagèmes qu'on utilise pour refaire et donner les bons trucs. Et surtout Abidjan également, où Absolument. Tu as carrément interpellé, ouais. justifie ouais. Carrément ta paye, ton salaire. Non, mon ingénieur de son, Monsieur Batoir, c'est mon couteau suisse. Ça fait pratiquement près de 20 ans qu'on bosse ensemble. D'accord. Donc, à chaque fois, il y a des clashs. Le concert d'après, ne vous inquiétez pas, ça sera lui qui sera à la console. Donc, c'est comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu réserves à ton public parisien? Qu'est-ce qu'on aura comme surprise? Bien sûr, à l'espace Noisy-le-Sec. Je vous donne l'adresse, hein, 14 rue de la Pointe, 93-130 Noisy-le-Sec. Soumbil, qu'est-ce que tu réserves à ton public parisien? Donc voilà, ça sera... Parce que tu as un public très fidèle. Très fidèle. En tout cas, c'est une occasion pour leur dire merci. Parce que depuis pas mal d'années quand même, on tourne aussi bien en Europe. Ouais. Voilà, c'est en Italie là justement. En Italie, ouais. on vient d'une tournée qui a démarré depuis le 30 du mois dernier. D'accord. Voilà, on a fait pas mal de villes européennes. Aussi bien en Europe. Mm-hmm. Donc voilà, donc, le train passe par Paris le 5. Donc voilà, ça sera une occasion pour moi d'égrener tous les morceaux qui ont pu toucher ce public-là. Alors là, ça suit. Voilà, c'est bon, on sera là-bas. Hein. Voilà. Le concert finit à 5h du matin. Voilà. Voilà, il y aura de la danse, il y aura voilà, des choses inédites. Il y aura Oui, il y aura beaucoup de guests et puis on va en profiter pour faire des choses qui ne sont pas sur les disques que personne n'a entendu. Ouh là là. Donc, des duos en direct comme ça avec des frères qui seront invités aussi. Voilà, ça sera beaucoup d'impro. Et surtout, musicalement, on a essayé d'intégrer d'autres instruments qui ne sont pas forcément sur, sur l'album. C'est un sketch depuis le début. Ouais. Voilà, ça sera carrément un spectacle. Voilà, on veut faire quelque chose de bien. Ah, en plus, c'est pas cher. Ouais, 20 balles. 20 balles. Ça vaut même pas. Ça vaut. Bon, on ne sait pas ce que. Bon, écoute, ce n'est pas cher. C'est le plus important. Ce n'est pas cher. Et en tout cas, toute la diaspora sera là et non pas que. Et pas seulement la diaspora ivoirienne, parce que tu es quand même un artiste international. Voilà, on te demande au Tchad, on te demande un peu partout, aux États-Unis, partout. Donc, je pense que la salle sera. Mais attends, je te laisse présenter, bien sûr, ce son-là. Je sais que c'est un son qui. C'est quel son? C'est un son qui te tue. C'est un son qui m'a été que j'ai découvert grâce à un ami, hein, voilà, qui m'a fait connaître ce son et j'adore. Merci. Mais ça m'en fout. C'est parti. Boum. Je ne vais pas trop monter parce qu'il y a beaucoup de basse. Ok, c'est bon. Attends, il va se faire. Super émission, bonne énergie, Soumbil, tu assures. Et on sera au concert. On sera au concert évidemment. On demande si durant ton concert l'exclusivité sera sur le dernier album ou bien tu vas faire un peu l'historique. Ouais, on va faire un peu l'historique et puis beaucoup de titres du dernier album aussi. Ah.
Et le concert commence à quelle heure? C'est 22h. 22h. 21h. Ah oui. Ah, mais c'est pour 22h là. 21h, ils passent dans la vie. Mais ils mettent 22h, ils sont ouf. Bah oui. Ah, c'est la fiche qui parle. Ah ouais. Bon, enfin. Yes. C'est le Maxi. Oh là là. Aïe. Oh là là. J'en ai des couvertures. Hey, c'est là on voit les gens oui, c'est nous. Voilà, les gens de la nuit là. Voilà. Ils dorment même pas. J'adore ce son. Nigeria money. Oh, ça m'en fout ça. Mais ça m'en fout. Ils s'en foutent, non? Ouais. Oh. Moi, c'est ma face, celle-là. Hein. Merci, ma page. Alors, Miss Nikki. Voilà, on souplesse. Aïe. On ne bouge pas trop. Voilà, Soumbi est dans la place. Yes. Ça, c'est, en plus c'est un son qui a été réclamé par tes fans de Londres également. Parce qu'on a fait un petit sondage durant la semaine. Et voilà, les fans de Londres ont demandé, bien sûr. Voilà, c'est énorme. On espère bientôt y arriver à Londres. Soumbi arrive bientôt à Londres. Donc, c'est quitté tout le monde, la grande famille. Soyez en alerte. Il y a Fatim qui fait un coucou à Soumbil. Alors je te la passe. Elle appelle d'Abidjan. Ah mais voilà, oh, Fatim, ah, voilà Fatim, depuis Abidjan. Allô. Bonsoir Fatim. Voilà. Oh là là, merci beaucoup. Merci beaucoup Fatim. On est très heureux de t'entendre. Yes, I am. Soumbil, merci beaucoup. Yes, I am. Fatim, on va pas rester longtemps parce que. Tu me rappelles, il y a Carino, tu passes Carino. Carino. Carino, Carino, dans ça, Carino. Ouais, ça m'en fout. Mon nez, ça m'en fout. Soumbila. Oui, quelle ambiance dans les studios de la radio, la voix de la diaspora. L'émission s'appelle T'as le bon son. T'as le bon son et ce soir il est là également. C'est Augustin qui nous accompagne bien sûr à la réalisation. Alors, j'avais un message à passer à qui. Ça vient d'Abidjan. D'accord. On m'a dit Abidjan, tout le monde te kiffe mais prends moins de poids. Mais qui a dit ça? Ils m'ont dit, moi, ma bouche là. Mais justement, elle incarne la femme. Soumbil, on revient encore sur le concert événement, bien sûr, le 6 août, le 5 août, autant pour moi. Oui. Alors, Espace Noisy le sec. Ton public te regarde, ton public t'écoute également. Mm-hmm. Là, nous sommes, voilà, parle à ton public. Ben voilà, c'est le 5 août, voilà, tout le public parisien, tout le public européen, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont l'honneur Suisse. Déjà de faire des résas depuis Bruxelles, depuis là Londres, là. Hein, depuis voilà, toute l'Europe. Ça sera un gros show avec près d'une dizaine de musiciens qui travaillent pratiquement depuis un mois maintenant pour vous donner un gros concert. Ça sera du live, ça sera pas n'importe quoi. Ouh là là. Soyez là, on va vous mettre bien. C'est dit. Et on y sera. Obligé, ah, obligé. Ah, ah. Je veux une place devant. C'est quoi ça? A cappella. Laissez-le. Oui, j'ai raison. Laissez-le. Billy, vraiment. Yes, c'est ton public ne veut pas te laisser. Un petit a cappella pour dire au revoir. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme a cappella? Avec la photo des femmes, oui. Demba? Ouais, Demba. Pourquoi pas. Oui, moi j'aime bien Demba. Les femmes et voilà, merci. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Mon manakanya onya mabo robila, adamande sitemo ya la nibatila.
Ni peko denyana kanafili ibale. Ni peko demanya kanafili iba. Dembana ni folale. Dembana ni nene folate ibarika. Ala bisarana ibarika. Pop! Le refrain ne passe expérience. C'est pas mal ça. Comandoule, ikamoko ngitele, osani yamoko ngitele. C'est là, ça l'est là, y'a là. Ijasani yamoko ngitele, ijatenga gila. Ça c'est chez moi ça. Ijasani yamoko ngitele, ijatenga gila. Afa ijatenga gila. Voilà, ça c'était bien sûr la lucane traditionnelle à la grande famille, bien sûr. Alors, Soumbil, vraiment, ce fut un grand moment. Merci, merci d'être passé. C'est bien passé, non? Voilà. L'émission, c'est la voix de la... C'est t'as le bon son sur la voix de la diaspora également. Alors on va conclure avec Nigga Boy. Alors le son, écoutez le son de Nigga Boy. Nigeria power, Nigeria money. Nigeria music. Manuela Garza. Billy, tu as le big up de tous les gars de Casa également. Big up depuis Casa, toute la grande famille. Et merci beaucoup, c'est un grand moment que nous sommes en train de vivre. Billy le kid. C'est cool, tout... Et il prépare un gros festival là-bas. Ah ouais? Ça là, est-ce que je peux dire ce soir? Goloshi. Bola Paris. Team African Papara. Full okay. Paris. Emina Fedum. Bugatti. Okay. Emina Fedum. Maserati. Vous êtes en interaction directe. Shout out to Bola Paris, Denver Fashion, Pata Papara. Papara. Yes. Alors là, Monsieur Abel de Badi de Cabonne. Abel de Badi. Merci pour toutes les coupes de la voix de la diaspora. Yo! God bless you all. Thanks. Yes, guys. Merci beaucoup. On remercie également nos partenaires également, sans oublier le restaurant Saveur d'Afrique Paris. On en parlera bientôt. Bien sûr. Sans oublier le restaurant également chez Maman Gourou. Voilà. Aquaba Lounge. Voilà. Sans oublier également au niveau de Londres, la boîte de nuit Oba. Oba. Voilà. Et à Bruxelles également chez Nikki. Voilà, c'est un garçon, c'est un zéro. Okay. Hein. Voilà, là-bas c'est la Rumba Live également. Et la grande communauté congolaise de Saint-Denis, tous les dimanches Rumba Live avec le quartier latin. C'est ça. Mais voilà. Boum. Ouais, écoutez, c'était Nego Boy. Ah là 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 là. Il nous reste encore 30 secondes. Nego Boy, où est-ce qu'on peut te suivre? Instagram, vas-y. Facebook. Yeah, Facebook, Nego Boy, Instagram, Nego Boy. If you want to book Nego Boy, booking, Nego Boy booking.com at gmail.com. Ok, Nego Boy booking at gmail.com. Ok, Soumbi, est-ce que tu veux me sentir déjà rapide? Vas-y, ta dernière, c'est bon. Oui.
On me demande Djarabi en a cappella pour terminer. Oui, allez la nina, Djarabi, oui, allez la nina. Oui, allez la nina, Djarabi, ne m'en connaît pas, Kanawa. Bébé, prends-moi pour la vie. Bébé, on a fait le boulot. Sumbela, c'était bien sûr, t'as le bon son. T'as le bon son, Benito Niki. Bam, c'est merci. Bravo les gars. Ok. Ah, je dis merci. Hey, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est du lourd, ça me fait plaisir. Allez, non. Tu penses que ça te rappelle? Tu vas? Je sais que moi. Tu te rappelles, non? Non, c'est change. C'est quand j'ai écouté ça, ça sent. C'est français. Et attends, tu vas là, tu vas faire le kick sur le jeu. Vous avez bien fait? Non, on a pas fait. Voilà, il va pas. On s'en fait C'est vrai? Merci, il est là. Merci, on va le savoir. Ça, ça dérange. C'est en tout cas. Non, moi que j'ai bien La voix, elle est bien. Grâce à Dieu, je ne saurais l'expliquer. Mais bon, après, on essaie de travailler, de faire, d'écrire des textes qui accrochent et qui plaisent les gens. Voilà, mais ça, on sait pourquoi on le fait. Mais la voix, elle vient de Dieu. Combien de temps quoi tu attends encore que la grâce te vienne du ciel? Comment sa vie peut changer si tu refuses dans la réalité? Combien de temps quoi tu attends encore que la grâce te vienne du ciel? On t'a déjà dit, on ne recorde que ce qu'on a sémé. La photo de finish. Non, non, je vais la photo.